Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Fire. Nous continuons à nos 1800, nous allons tenter de choper le truc qui est au-dessus des ouvriers, donc qui a l'air d'être artiste. Propose une quête de recherche. Cassadiel, cassassi. Récupérer les vaches. Retrouver la vachette, ce troupeau et sa seule richesse, le tout velu. Les bêtes de cette fermière se sont échappées. Genre ce serait plus dans un champ. Ok, trouvé super simple. Tubercule de pomme de terre supérieure. Incorporation affect. Ah putain, ils sont chiants à couper ça. En plein milieu. Incorporation. Affecte exploitation de pommes de terre. Permettre de cultiver des champs de pommes de terre prospères en terre étrangère. Ah oui, c'est des graines de. C'est des graines de pommes de terre, d'accord, parce que chaque île a ses propres fertilités, voilà, c'est ça. Céréales, pommes de terre et gisements de salpêtre. D'accord. Gisements argileux, charbon, zinc, cuivre, pétrolifère. Ah oui, il y a un bon petit smog ici. Ok, alors, qu'est-ce qui nous manque? Faut de la saucisse. Alors, la saucisse se fait avec des élevages de cochons et ça a l'air de déplaire aux gens. Le fait qu'il y ait... Je tousse toujours, hein, désolé. Le fait qu'il y ait de la cochonaille, ça déplaît aux gens, visiblement. Alors 5 en plus. Ah, c'est des petits champs, oh, ça va. J'ai toujours pas trouvé comment est-ce qu'on faisait une rotation sur les bâtiments et sur les champs. C'est plutôt merdant, hein. Pas se le cacher. On va partir sur deux élevages au début. Un truc assez light. La boucherie à rendre pile. Donc je peux mettre le dernier champ ici. C'est ça que je voulais faire. Ah, ça prend plein d'ouvriers. Oui, c'est vrai qu'on avait ce fâcheux problème de place et de peuplade. Il fallait sans arrêt. Eh, vous savez quoi, en vrai, niveau bois, on est bien. Je vais blinder jusqu'au bout et je vais faire une énorme route que j'appellerai autoroute jusque là. Si je veux bien me laisser. Voilà, merci. Alors, 61 ouvriers manquent. Ah merde, ils sont pas assez proches. Il leur manque des. Putain, y a pas de vêtements. Y a plus assez de vêtements de travail. Sans déconner. Ouais, 0. Ok. Bon, on va faire. Très bien! Je devrais peut-être améliorer l'entrepôt, hein, parce qu'ils avaient dit qu'il y avait trop de charrettes. Enfin, pas assez de charrettes. Ah putain, l'amélioration. 2500, quoi. Après, ça permet de faire fonctionner l'industrie. On va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai en trop dans ma ville? Toujours le bois. Mais j'ai trop de laine. Ah, mais en fait, c'est le... C'est la transfo qui prend une tombe. Ah, ils sont chiants à remettre sur infini à chaque fois. Ouais. J'ai trop d'acier. Je vais aller vendre un peu de ressources parce qu'on est quand même à moins 394. Alors, là, ça fait mal. Pourquoi est-ce que ça chute, un truc de malade? Ah, bah les gens sont en train de se barrer. Parce qu'il n'y a plus les vêtements de travail. C'est génial, hein. C'est génial ici. Alors, du coup, on va refaire une filature. On va prier pour que ça augmente. Ouais, que les gens se reviennent. Parce que s'ils se barrent, ça produit moins. S'ils produisent moins, les gens partent.
On a récupéré des sous. Insuffisante. Ouais, sauf que le problème c'est que moins il y a de gens, moins ça produit. Et moins ça produit, moins il y a de gens. Ouais, pas de pénurie de main-d'œuvre, t'es drôle. Hein. Voilà, du coup, malus. Allez, on va modifier ça hein, parce que. Consommation du bien 10%, non merci. Ils n'iront pas jusqu'à ah, le bonheur, population satisfaite. Plus 14 plus 1. C'est pas... Putain, il y a encore un feu, mais c'est un truc de fou quoi. C'est bon, j'ai réussi à remonter la population. Il faudra. Faire attention parce que c'est vrai que les... l'eau de vie est en baisse aussi. Mais putain, mais bande d'alcoolo quoi! Je vais faire une distillerie. C'est dingue, ça a deux champs de pommes de terre. Ça produit plus que ce qu'une distillerie peut, peut ramasser. J'ai l'impression que la règle de l'élevage de moutons, c'est la même. C'est bon, ils ont leurs saucisses, ils sont contents. Voilà. Alors le pain! Le pain. Alors, c'est d'abord des céréales, ensuite farine, et ensuite boulangerie. Petite marchandise. 1 minute, 30 secondes, 1 minute. Ok, donc 2-1-2 du coup. Ouais. Ici, un peu de place. Ah, c'est les champs 144! Putain! C'est beaucoup 144. Pas d'entrepôt. Petit entrepôt. Ah, céréales, ça devrait être bon. Alors, par contre, le savon, je crois que c'est ce qui va nous obliger. Du suif. Ça se fait avec du porc, le suif. Ah non, produit du savon. Ah non, j'étais persuadé qu'on allait devoir être obligé de coloniser une île parce que ça faisait un moment qu'il nous bassinait. Voilà, avec ça, construisez un petit entrepôt sur une autre... établissez une connexion routière avec votre... Quoi? Comment ça se fait que j'ai un sur deux? C'est les petits entrepôts, ça fait un moment que j'en fais un. Bref, alors... essayer de faire du suif. Et donc, produit de marchandises, savon. 30 secondes, donc il faudrait deux de suifs, un de savon, deux porcs, concrètement. Merde, trop de... Ok, alors du coup... ah oui, les fermiers, c'est des... Oui, pour les élevages de porcs, c'est des fermiers, donc... Il faut encore rajouter des résidences. Mais sérieux,
Et les fermiers, ça recouvre la carte, quoi. Et le pire, c'est que j'en ai fait d'avance, histoire de me dire, bon, bah voilà, comme ça, je serai tranquille après. Putain. Ok, donc ça avance, ça devrait être bon. Et maintenant, ils veulent un accès aux écoles. Alors, l'école, c'est juste un bâtiment, un peu comme le pub. Oh mon dieu, ça coûte une blinde. J'ai pas les sous. Putain, c'est les sous qui vont me bloquer, quoi. Bah, va falloir vendre. Produit de toute façon, c'est pas la mort. On est enfin en bilan financier positif. Ah, du coup, je vais pas vendre tous les canons. Ouah, ça file donne les canons. Ah, c'est chiant à faire en même temps. Voilà, parce que pour faire la frégate, il faut des artisans. C'est bon, nous avons l'école. Les ouvriers là, ça devrait donner. Je suis repassé en négatif. Oh, l'école qui coûte cher. Attention, bientôt. Ah, ça coûte de l'acier pour augmenter leur maison. Nous y voilà. Travail d'orfèvre. Et on peut faire la fameuse frégate qui nous manque. Ah, les artisans, qu'est-ce qui... Fenêtre, chaîne de production, conserve. Oh là là, c'est trop compliqué. Ah, mais c'était... il y avait encore des ruines. J'avais pas tout nettoyé. Ça, c'est juste des forêts. Hein. J'ai pas tout nettoyé. J'avais pas tout récupéré non plus. Hein. Puits de pétrole. Ouais, quand même vachement de trucs. Alors, je propose de transformer un peu plus d'ouvriers. Ah, les saucisses. Putain. Pas assez de saucisses. Cet objet, il y avait trop de pop. Hein. C'est pas assez, deux élevages. Alors, c'est bien. Ouais, c'est un pour un. Votre compagnie est puissante. Vous n'avez peut-être rien à envier à votre père. Dieu est son âme. On a besoin de plus de bras. Mais j'ai fait qu'une boucherie. Ah merde! Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens? Un qui se barre. Ah, y'a plus de poisson. Oh putain, alors là, c'est la merde. Hein. Parce que les poissons, c'est un bien de base. Et c'est pour ça que ça s'est dépeuplé d'un coup. Hein. J'étais sur les saucisses, moi. Phrase que tu n'entends que dans un eau. Allez, donc du coup, que je fasse deux bouches de plus et que je fasse un vieux zigzag comme ça. Parce qu'il y a trop d'élevage de porcs. Parce que c'est du 1 pour 1 le ratio. C'est bon, problème du poisson. Pseudo solutionné. Manque de la main d'œuvre. Ouais, mais. Vous êtes bien gentil. C'est bon, on revient la main d'œuvre. C'était le poisson qui faisait Nawak.
seul problème, c'est que quand tu fais des ouvriers, eh ben, y en a... ça passe de 10 à 20. Et le problème, c'est que ça double les gens. Une explosion s'est produite. Oh ! Comme par hasard, le journal, tu sais. Génial, ça a pété le fourneau. Et la mine de... Non mais ils sont sérieux, c'est quoi ces events de merde qui t'explosent 2000 d'or ? C'est trop de la chiasse, hein ? Parce que quand tu passes de 10 à 20, bah en fait, vêtements de travail et poissons, bah ils sont consommés deux fois plus. Ouais, alors on va modifier, hein, parce que là, c'est nawak. Alors, c'est la merde. Là, les sous, là, c'est les giga merde. Les ventes de l'argile. Et des briques. Merde, c'était pas mon bateau. Mission accomplie. J'ai bien mérité un peu de repos. C'est quoi la mission? Ah non, c'est à vendre. Oh merde. J'ai espoir qu'il me file une mission. Dites-vous que c'est l'occasion. Escorte une. On propose une quête d'escorte. Oula. C'est beaucoup d'argent. Je dois pas avoir la. Frégate de première classe. La solution. Ah mais putain, j'ai fait la frégate, je l'ai même pas vendue. Quel connard! Quel sombre connard! De nouveau sort, amiral. Vous avez cassé la clé dans la serrure. Sir Archibald Clay. Oh, 10 000, oui. Ces renforts feront le bonheur de... Ça y est, j'ai avancé dans la quête. Je sais qu'il n'y aurait rien à gagner, à vous l'avouer. Mais j'ai des raisons de croire que votre père a été assassiné. Et son meurtrier... Ah, sans doute bien qu'il ait été assassiné, vu la gueule des mecs. Hein. D'après la rumeur, il se terre quelque part. Notre père n'aurait jamais pu se suicider. Je l'ai toujours su. Mais je... Il se murmure que son complice le fournit en marchandises achetées à l'emporium exotique. Contrebandier. Rejoignez le phare de Madame Kaina. On aurait tout intérêt à suivre. Et c'est méga loin. On va essayer de solutionner nos problèmes ici, hein. Ressources en vrai ça va. On est stable mais on est dans le négatif en stable du coup. Une quête de destruction. Les villes saboteurs qui ont sapé nos relations jusqu'à... Tout le plaisir est pour moi. Détruisez deux frégates. Non mais vous êtes sérieux. Putain, mais pourquoi j'ai accepté cette quête? Je suis trop débile, quoi. Alors, bateau. Rejoignez le phare de Madame Kaina. D'après les gens du coin, ce navire marchand est celui d'un étranger. Peut-être qu'il s'agit. Suivez le navire sans vous faire repérer, rejoignez le meurtrier. Je pense qu'il faut pas aller dans le vert, logiquement, et pas sortir du deuxième rombeur.
Heureusement que les unités ripostent automatiquement. Journal de votre père. Mon île Prosperity a été vendue. Quant à moi, j'ai arrêté et expédié au fin fond d'une cellule sordide. Demain, je compte bien plaider à nouveau ma cause à Mr. Blackworth, qui aujourd'hui m'a si cruellement refusé la moindre explication. Je dois tâcher de dormir, je ne pense à rien d'autre qu'à ma pauvre Anna et cet autre enfant qui choisit de partir loin. Derrière les barreaux, l'eau, mon dieu. Tristement, c'est elle, j'en suis le premier surpris. La reine enrage d'avoir perdu le joyau du Nouveau Monde, les gardes que... de qui je tiens l'information m'accusent de quelques traîtrises. Pourtant, c'est moi qu'on a dupé, c'est moi que des inconnus ont lésé de toute une île. Peut-être sont-ils ceux-là même qui sont venus à moi en ce jour fatidique, masqués, revêtus d'habits brodés de mystérieux symboles. Worm's Way, une troisième nuit. Commencer à réunir des preuves pour ma défense, Anna est venue aujourd'hui, bien qu'on ne l'ait pas autorisée à rester longtemps, elle m'a redonné l'espoir. L'espoir d'être un jour pleinement réhabilité. Mes années de loyauté jouent en ma faveur, mais l'idée d'avoir peut-être trahi ma reine me pèse lourdement. Même si les nuages viennent à dissiper, ils ont peut-être sonné le glas de notre famille. Remettez le journal au phare. Ah putain. Attendez, le phare c'est ici. Eh ben ça c'est la vitesse 3. Après la carte du monde elle est vraiment grande. Hein. Je devine la marque des pyrophoriens. Les pyrophoriens. Pas que votre père, vous avez le tempérament fou. Le journal et, de et ici on peut marchander. Assassin de Samuel Good démasqué. Attendez, je vais passer en vitesse 1 parce que... Chocolat, besoin fondamental. Rhum, besoin de luxe. Manteau de foire. Ah putain, des trucs de ouf quoi. Oh, 17 500. Chien renard en stock dans le zoo. On peut avoir un zoo. The fuck. Ouais, on a clairement pas les thunes. Hein. Remettez le journal à Sir Archibald. Bon. Alors, comment est-ce que je pourrais gagner des sous sans pour autant ruiner l'économie de mon île. Hein. Ce problème, c'est que des ouvriers, j'en ai trop. Je vais augmenter les ouvriers pour en faire des artistes. On attend de voir déjà si je suis capable d'assumer cette nouvelle population. Canal de Culisma qui donne sur le continent de Sma s'ouvre au trafic maritime. Les explorateurs se bousculent aux écluses pour être les premiers à fouler ces contrées exotiques. Allons-y, sortons la longue vue. Capitaine annonce un nouveau passage vers Nbessa vient d'être découvert. Ce symbole est une menace de mort, mais... Mena bien l'expédition vers la Terre des Lions. Ah, il y a trop de choses en même temps. Entreprendre une expédition... Pour lancer l'expédition, accéder à la carte du monde puis sélectionner l'expédition Terre des Lions. Comment on accède à la carte du monde? C'est en bas à gauche. Carte du monde. Oh putain! Tout ce qu'on a, c'est la dernière position connue de Sarmento. Nous devons planifier notre expédition. Affecter un navire. Conseil du capitaine, navigation presque sûre, puissance navale très probable. Comment ça, très probable? Rumeur court que des navires ennemis sévissent sur l'itinéraire. Oh. Chasse probable, j'ai surpris une conversation entre deux vieux loups de mer qui palabraient sur la faune pléthorique qui attendait. Récompense possible, nouvelle région. Alors, si on faisait... Alors, parmi la frégate et la canonnière... La frégate est clairement la plus puissante. Vu la quantité de ressources. Alors je propose de faire une frégate et de l'affecter sur cette fameuse expédition. Ah mais il y a deux expéditions?
Attendez, moi j'ai vu que celle d'en bas à gauche. On a une autre ? Ici, en bas à droite. C'est l'œil de la tempête. Vers la terre. La terre des lions ? Mais c'est pas la terre des lions à gauche ? Il est temps. Non, c'est Sarmento. Ok. Donc sur la terre des lions, navigation presque sûre. La navigation s'annonce difficile. Ils sont très sûrement confrontés à des défis diplomatiques. Et d'étranges rumeurs sur les phénomènes encore plus étranges qui se produisent. Alors, si j'affecte un navire, pourquoi le... Alors, c'est quoi le moral déjà? On va mettre le truand parce qu'il y a un bonus de diplomatie. Ah! Par contre, foi, qu'est-ce qu'il faut emporter? Emporter du bois et de la bouffe. Okay. 85% de morale. On va voir ce que ça donne. C'est qui ça? Ah, c'est avec. Ok, bah c'est cool. On a. On a une frégate, par contre, niveau pognon, c'est toujours la merde. Alors, ressources... Alors, c'est normal si on a perdu des pommes de terre, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai embarqué. Saucisse, c'est good. Non, en vrai, on va... Quête de livraison. Estorme de 6, 14 de pain. Charbonnier, productivité plus 10%. Fake charbonnier, ok. C'est du caca. C'est du caca. Alors, oui, améliorer des ouvriers. Un artiste. Ok, on s'arrête là. De nouveaux bâtiments ont été débloqués. Machine à coudre. Non mais ils veulent des machines à coudre, ils sont sérieux. Je suis Bente Jorgensen. Bente et moi, nous nous sommes connus sur les bords de l'école. Qu'est-ce qu'ils veulent les artistes? Les conserves. Élevage de gros bétail, ferme de poivrons. Mais ils sont sérieux. Oh putain, faut la fertilité en plus sur les poivrons rouges. Il n'y a pas d'amarrage public. Quoi? Ah mais il manque trop d'infos dans le tuto en vrai dans le jeu. Permet aux visiteurs de faire escale sur votre île. Mon dieu, mais ça coûte 25 000 ? Du coup l'expédition, on sait comment... Enfin, comment on sait que ça se passe bien. Alors, poivron rouge... Bette Jorgensen. Jorgensen, c'était pas le nom d'une IA dans le 1701 ? Il me semble, hein. Si je dis pas de conneries. C'était une IA facile de mémoire. Ok, ils se sont fait un petit auto-clin d'œil. Eh ben écoutez, on va explorer. Parce que là, j'avoue que je sais pas trop comment gérer cette situation, malheureusement. Théâtre. Oh là là. Ah, mais tout coûte une blinde, sérieux, les gars, quoi. Ça demande des fermiers, des artistes, des ouvriers. Oh là, ça demande de tout. Déclare que l'une des expéditions encore. Ah, mais elle n'est même pas commencée! Plus de réputation. Nous allons faire une fine équipe, j'en suis sûr. Non, merci, j'ai pas 9000. Super, j'ai perdu le bonus de relation tout de suite. Ça valait le coup de faire une expédition. Allez-y, a été très. Très salope, hein. Et encore, je reste poli, hein. C'est fou la population de fermiers qu'il faut, quoi.
homme odieux. Moins je le vois, mieux je me porte. Ouais, donc il y a déjà des IA en place sur l'île. Mais c'est trop bizarre, on dirait une campagne, mais... Ce n'était pas prévu. Il y a quand même plusieurs IA et tout. C'est trop bizarre. L'incendie a été maîtrisé. Ah bon, il y avait un incendie, ben, c'est bon de le savoir hein, qu'il a été maîtrisé. Hein. Il y a des ruines dans vos villes. Non mais ils sont sérieux. Mais putain, mais il y a une caserne de pompiers juste ici. Comment on réduit les chances d'explosion? 13 élevé, tu sais, alors qu'il y a une caserne de pompiers à côté, quoi. Faut que j'en construise... Non, c'est de la merde si je dois en construire une deuxième. On va vérifier ça tout de suite, je veux le savoir maintenant. Oh, c'est de la merde. Oh là là. C'est passé à élever, ouais. Ah putain, c'est de la chiasse. Ça veut dire qu'il faut spammer les... Oh. Oui, c'est casse-couille, hein. C'est peut-être parce que j'ai... j'ai mis la difficulté normale. On s'aventure dans l'inconnu. Ah, il y a une sorte de livre d'événements à la... À la Frostpunk. Choisissez dans quel port faire escale, Lispo ou Altsouk. Quand vous lâchez dans un port, de nouvelles destinations deviennent disponibles. Nanana. Prenez garde à votre morale. Hein. Tramway nommé au Lispo. Ah ouais, notre barre de morale, c'est notre barre de vie, en gros. C'est pas du tout les chances de réussite. Bonne notée, chers amis. D'où est-ce que le vent vous amène? Bonus aux chances de réussite 10%. Allez, on va mentir comme de véritables explorateurs. Un bon marché pour résoudre la situation en commandant une généreuse tournée de 20 cuillers de tarte aux œufs. J'ai votre accord pour imprimer. La bière. Mais attends, c'est que des trucs qu'on peut acheter, ça m'intéresse absolument pas. Mais le jeu continue, le jeu se met pas en pause pendant qu'il y a l'événement. Vous êtes sérieux? Oh là là, il y a beaucoup trop de... Beaucoup trop de texte, mon dieu! Ancien labyrinthe. Distribuer des rations supplémentaires et continuer. Ah, d'accord, donc. Ok, ok. Alors, le journal, hein. Ah, super, et puis le temps qu'il défile un truc de malade. C'est des minutes. Alors, on va juste modifier ça avec une diversion. Pas risquer d'avoir une mauvaise réputation. George Smith condamne votre recours à la propagande. Et comment tu sais que c'est de la propagande? Vous offre un cadeau de 2400 pièces. C'est très gentil, ça, dis donc. Ah, le mec me déteste, mais il me donne quand même des sous. Hein. Salut votre recours à la propagande. Lol. D'accord, il y a des pirates. Non, reste là, sale con. Mais attends, mais si le jeu continue, c'est super dangereux. Je peux perdre mon bateau, là. Oh, c'est mal foutu, ça. Oh là, c'est très mal foutu, ça. Pourquoi ils ont pas mis un système de pause Ah, et puis la pause, ça coupe le jeu. Oh, ça, c'est très très mal fait. Hein. Ça risque de me gonfler, en revanche. L'ancien labyrinthe.
pas assez préparé pour cette action. Force. On se remet l'exécuter. Thérapé, c'est le sol qui se déroule sous les pieds. C'est quoi ces caractéristiques chasse et tout? Mais tain, les mecs, faites un tuto sur les expéditions s'il y a besoin d'un tuto. Et en gros, j'ai perdu du moral, j'ai rien gagné. Mon dieu qu'il manque des infos dans ce jeu. Et bah heureusement que j'ai coché. Bah voilà, mon bateau va mourir. Et bah voilà, il est mort. C'est super gentil. Un navire a été détruit. Le jeu va dans toutes les directions. J'ai énormément de mal à tout suivre. Mener à bien l'expédition. Bah écoutez, c'est en route. Hein. J'ai plus de bateau. C'est trop cool. C'est trop génial. Telle de ville utile uniquement s'il y a des objets en stock. D'accord, c'est une corporation version bâtiment. Faut que je prie sur mon expédition. Au poste de combat. Bonus aux chances de réussir de plus 3. J'aime bien écrire vos hommes ne sont pas préparés sur toutes les autres actions. Pourquoi tu me les proposes si je suis obligé de les foirer? Elle est dans la savane. Mais mon dieu, mais faut aller super loin! Et comment on sait si c'est bon? Parce que tout à l'heure j'ai eu un pop-up mais je l'ai pas eu la dernière fois juste là. Oh putain, le jeu il est sorti depuis 3 ans et t'as l'impression il y a des trucs ça fait partie d'une bêta en fait, c'est pas assumé. Oh, élevage de gros bétail. Ah oh, putain, il va falloir des fermiers. Oh, regarde-moi ça, mais plus de la moitié de l'île c'est de la main d'œuvre. J'ai eu un pop-up. De toute façon, je défile pendant que je fais. Ah, est-ce qu'il y a des promontoires pour une vue? Ah, il y a trop d'événements. Hein. Moi, je lis plus. Hein. Proposer un pot de vin à des lions. Et puis en plus, les deux quêtes, c'est des expéditions. Aïe, aïe, aïe. Alors, patates, des vêtements de travail, ça a l'air d'aller. L'eau de vie, pareil. Bon, on va tenter la conserve. Cuisine nature artisanale. Si ces feux à expirer. Ah, mais il n'y a pas de poivron rouge ici. Alors que les machines à coudre, je peux les faire sur cette île. Bien, faisons cela. Est-ce que l'acier, j'en ai déjà? Ah, cabane de bûcheron. Ah, je peux le faire ici, ça. Entrepôt, juste. Pourquoi je peux pas la construire? Oh, 12 000! Oh là là. C'est quoi ces bâtiments qui coûtent... C'est un bâtiment de production, en plus. C'est pas comme si c'était genre un hôtel de ville ou... 12 000. Bon, bah il me reste plus qu'à attendre. On s'aventure dans la culture, c'est plutôt votre rayon. Mmh.
c'est de la merde. Pourquoi me proposer ce choix si de toute façon j'ai zéro? Trop de texte. C'est un petit peu un échec les expéditions. On est loin des expéditions de Frostpunk et pourtant ne sont pas folles. Quelqu'un dont la réputation d'urbaniste a fait le tour du Nord. Les cœurs nobles sont toujours les bienvenus à Elbessa. Vous avez donc appris. Après, c'est très bien le fait qu'il y ait une carte du monde. S'il y a des puissances en dehors, entre guillemets, du monde. Alors le Seigneur vous sourit. C'est l'occasion de participer à un grand dessein qui nous dépasse tous. J'ai jusqu'alors négliger cette province de l'Empire, où régnaient les rois d'antan. Mais du sable, un magnifique jardin ressurgira. Des rois innombrables ont régné depuis les derniers jours d'une Elbessa unifiée. C'est un héritage lointain et fragile. Certains préfèrent nous voir divisés pour leur seul profit. Mais ils sont aveugles à la réelle menace. Au nord, des yeux avides sont braqués sur nous. Ensemble et fièrement, nous soutiendrons leur regard. Ainsi, tous doivent défendre leur part, ou risquer d'être dévorés. Et c'est à vous que je m'en remets pour aménager sur ces terres notre nouvelle capitale, Taborimé. Puisse-t-elle grandir pour réunir tout Elbessa sous une même bannière? Le jeune Binyam vous aidera à vous installer, il vous en dira plus sur ses fameux canons. Vous installer? Comment ça? Taborimé resplendira bientôt, tel un joyau de paix à la couronne d'une grande nation. Oh mon dieu, le jeu il divise. Oh non. C'est déjà à peine gérable en termes d'argent sur la première île. Oh non! Mais attends, mais je commence, j'ai que dalle. Importantes affaires qui concernent tout moi, Salé Ketema, empereur de la millénaire Elbessa et héritier du sceptre. Oh mon dieu. Je vous invite à séjourner. Elbessa, région actuelle. Oh, alors ça c'est ouf par contre qu'il l'ait fait. Rejoignez le phare, de l'empereur Ketema. Ah oui, parce que... Ah putain, c'est du pognon d'empire que t'as du coup, c'est pas par rapport à la région. J'espère qu'il va me donner des ressources, parce que moi j'ai que des planches et des patates, les mecs, alors je vais pas fonder grand chose avec ça. Ah, tu fais parler du tambour. Hein. Cliquez sur le comptoir inoccupé de Tambourimé pour en prendre le contrôle. J'ai les cartes prometteuses sur mon bureau. Expédition zoologique. Ah non, les mecs, les expéditions. Laissez-moi digérer la première là déjà. Bois de Wanza. Construisez un marché et une résidence de berger. Oh là là, c'est une deuxième ville. Ah, ça fait comme dans le 1404, où c'est deux populations distinctes.
avez franchi une nouvelle étape. Le Grand Zal est un pouvoir reconnaissant pour sa protection. Vous aurez besoin d'en entretenir plusieurs postes. Ok, donc le bois c'est du bois à eux. Approvisionnement en Letcher. C'est exactement les mêmes ressources que dans le 1404. Aménagez-les à l'écart des habitations. D'irritantes petites créatures n'y souvent. Notre mode de vie est sans. Est-ce qu'ils payent des impôts? La réponse est, a l'air d'être non. C'est fâcheux ça, ma foi. Comment c'est trop long? Il m'en faut 50. Ah mais ils sont bloqués à 3 par maison. Oh là là. Ah ça recommence. Avoir mes 50, voilà, merci. Élevage de chèvres. Hein. Amélioré par un sol fertile. Hein. Et comment est-ce qu'on sait si un sol est fertile? Une pompe remplie d'eau, les canaux reliés pour irriguer les sols. Ok, ça j'imagine que c'est. Ah ouais, voilà, c'est du verre. Ouais. Ah bah, du coup, on peut se mettre là, les gars. Hein. Ineffable saveur du lait. La bête est parfois rétive, mais protégée. Parce que l'irrigation c'est bien, mais si c'est comme dans le 1404, ça coûtait une blinde. Hein. Main d'œuvre insuffisante. Non, ça commence. Alors, je vais juste modifier la consommation de viande. Faut un peu filtrer, malheureusement. Il y a des ruines dans vos villes. Oh là là, ça change. Oh, puis il y a eu le feu entre temps. Mais c'est ingérable! Récupérer un mari potentiel, vous êtes sérieux? Non mais elle est sérieuse, elle demande vraiment, faut trouver un mari dans la ville quoi. J'espère que le mec a une aura autour de lui parce que sinon il n'y a aucune chance pour que je le trouve. Hein. Mais laisse tomber, ma ville elle est trop énorme là! Si vous avez pas trop le temps, je comprendrai. Je sais que vous êtes occupé. Ah, mais ferme ta gueule, laisse-moi le trouver au moins! Ouais. Un petit 0,10 en plus. Eh ben écoute, démerde-toi, meuf. Moi j'étais sur mon. Non mais stop les expéditions les gars. L'eau est rare, hein. NBSA. Mais j'essaie de gérer un truc à la fois. Construisez une ponce. Une pompe. Une pompe pour faire les cases de canal. Construisez sur un sol irrigué. Ferme de lin. Mon dieu. C'est bon, ça augmente du coup. C'est passé à 5, c'est pas génial. Parce que le problème c'est que il me faut plus de gens. Et pour avoir plus de gens, eh ben, il faut assez de gens pour pouvoir débloquer les fameux pros-avis.
Oh mon dieu, ça coûte une blinde, 1000. Si on y met de la volonté, de la force d'âme, elle peut être comptée pour le bien de tous. Très jolie l'animation. Ça me fait penser au système d'irrigation de... Comment il s'appelait ce jeu ? Empereur, l'Empire du Milieu, pour ceux qui ont connu le système d'irrigation. Je crois que Kaisar ou Rome avait aussi ce système d'irrigation. Des jeux très simples. Bon, ici, il n'y a pas d'incendie, s'il n'y a pas de caserne de pompiers, donc je risque de m'y plaire fortement. Alors, ferme de lin. Oh merde, faut que ça touche. Les champs de lin 96. Je suis ému de voir notre système à l'œuvre. Notre culture est celle du don et de l'émancipation. L'eau est la clé qui réunit. Mon dieu. Traditionnellement, les bergers confectionnent leurs propres habits, mais il leur faut du lin. Et pour cultiver le lin, il faut de l'eau. J'espère qu'un beau jour. Putain, ça coûte une blinde. Tout ce que je suis en train de faire là, ça coûte une blinde. Un autre joueur a été dépouillé de son île. Un autre joueur a été dépouillé de son île. What? J'ai des cartes prometteuses. Oh mais merde avec les expéditions, laissez-moi gérer. Ils sont fatigants. Hein. C'est un peu triste. Oui, je sais, d'accord, sauf que moi j'ai séparé la route ici, alors je vous emmerde avec vos conseils. Parce qu'il en manque 8000. Par contre, ce truc à chier que j'ai découvert par moi-même, ça vous hésitez pas à me le dire. Construisez une caserne de pompiers. Ah, mais merde avec les incendies. Parez bien au risque d'incendie. Les tapisseries sont hélas très inflammables. Ça coûte du pognon. Pognon que je n'ai pas. Mais mon dieu! On va retourner à l'ancien monde. Ah mais j'ai fumé mon budget hein, avec vos conneries de Ledger là. Putain, ça devrait coûter que dalle normalement. Bon sinon ça tient les ressources. Ouais ça tient bien. Toujours l'eau de vie qui galère un peu. Bon, on va transformer des fermiers en ouvriers. Ça. Le pouillon remonte. Il va très vite redescendre. 50 de coups d'entretien dans la gueule. Ils sont très jolis les armes, dis donc. Connexion au canal absent. Oh, bah, tu es foutre! Ouais, c'est logique qu'ils aient pas d'eau là. Un kiosque à musique. Ouais, c'est pub quoi. Oh, ça coûte une blinde. Oh, ça coûte une blinde. Je vais retourner sur ma première île. Hein. Et oui, t'es déçu. Hein. Falloir chercher par toi-même comme tous les autres. Mais c'est chaud, putain, sérieux quoi. Un petit peu sur mes ressources. Mais il est vraiment pas simple hein, comme jeu. Hein. Y a quoi faire. Ah.
450, pile pour tuer un trigonte. Ça change quelque chose? Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Festival. Ah ouais, alors ça c'est exactement comme Empereur, hein. Avec les spectacles qui passent comme ça là. C'est le thème de Anno. Remixé, mais c'est le thème de Anno. On mène des expéditions. Alors, je suis pété thune, mais c'est très suspect. Parce que si je suis pété thune, ça veut dire que je perds des ressources. Ouais, que je produis. Enfin, que je consomme plus que ce que je produis. Ah, les vêtements et l'eau de vie. L'eau de vie a l'air de. L'eau de vie chute. Ok. De carnaval, hein. Un trait du festival 250, bonheur plus 40, bonus de revenus plus 5. Ah, mais c'est pour ça que j'ai plein de thunes. C'est parce qu'il y a un carnaval, d'accord. Visite augmentée augmente la probabilité que des spécialistes se rendent sur votre île. Ah, mais c'est. Est-ce qu'il faut le machin qui coûte 25 000 de ouf là? Non, c'était dans les artisans. Non, mais la marge publique, mais c'est n'importe quoi. Et puis 400 d'entre... Non mais laisse tomber. Faire des fenêtres avec du verre. Verre qu'on obtient... Enfin qu'on fait avec de la silice. Silice que je n'ai pas sur cette île. Ok, ouais, bon. Faut... Ah, on va gérer une Bessa. Voilà, c'est quand même à un niveau plus bas. C'est plus... Il y a des ruines dans vos villages. Eh ben, heureusement que je me suis barré. Ah merde, j'ai pas fait de route. Alors ce machin... Oui, toujours 12 000. Hein, donc, La satisfaction me perd. Il s'est prêt à partir sous pression. À quoi est-ce que je pense? Même avec de l'aide, je prends un peu de l'aide. J'ai pas compris ce qu'il voulait, le résident. La quête s'est fermée très très vite. Ah, merde, faut faire du. Oh. Ah mais silice. Le problème c'est que silice. Je sais même pas où je pourrais éventuellement en choper quoi. Ici poivron, houblon. Non. Mais putain ça. Attends. Je vais vérifier quelque chose très vite fait. Produit des marchandises. C'est un truc qui... C'est dans l'eau? Mine de... Quoi? Mais attends, je peux la faire ici? Oh là, gisement de zinc. Ah, c'est pas un gisement, c'est un truc qui... Attends, je comprends pas. Sur l'île 0. Je teste un truc, hein. Ah bon, d'accord, il n'y a pas besoin de la fertilité. Ok, ok, ok. Cool, 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 cool. Pas d'entrepôt à porter. Bah oui. Eh ben si, il y a porté. Pose une quête de recherche. Pas du tout ce que c'est. Trouver deux ours noirs et deux loups. Ah mais le temps, stop. Sur son île, dans l'enceinte protectrice de son... Demande de l'aider à parquer pour l'hiver les animaux sauvages.
sur son île de ouf là. Ouais. C'est quoi, je dois les trouver, je dois aller. C'est sur cette île, c'est sur une autre île. Parce qu'ils m'ont... Ils m'ont amené ici, moi je vois que les trucs super obvious, genre les bisons et tout. Ah non, oh, putain de merde. Ah ça va, ils étaient côte à côte. Ah bah super sympa. Ah non, ça va, il brille, ok bah. Ça devrait être facilement trouvable alors s'ils sont en surbrillance. Parce que moi je suis vieux, hein, je commence à avoir des yeux très fatigués. Je n'ai jamais douté. Ok, 14 000, ok, bah merci, bah des quêtes comme ça, j'en veux tout le temps. Les verts, c'est pas pour tout de suite. Faut augmenter la vitesse. La cerise sur le gâteau de notre amitié. Non. Vous n'avez pas le droit. J'ai besoin de mes sous, meuf, je suis désolé. Une colonie d'anciens. Mais comment tu fais, genre, quand tu fais une partie multijoueur? En vrai, hein, c'est une vraie question. Connexion au canal absente. Mais là, il est entouré par le canal. Oh, faut que ce soit pile devant. C'est encore un truc qui est bien fait. Oups. Comment est-ce qu'on fait une rotation? Oh, c'est de la merde. Résultat, toute la partie qui est là-bas n'est pas protégée. C'est génial. Ah bah c'est bon. Ah non, c'était des sous qui me manquaient. C'est un héritage que je voudrais transmettre à mon peuple. Un pays de joie et de musique. Oui. Je souhaite en savoir plus. Photographier l'un de vos comptoirs dans l'ancien monde. Ah, l'ancien monde, merde. Il est à mon comptoir. Pourquoi je peux pas prendre de photo? Il est là, mon comptoir! Non? C'est un comptoir, ça! Bon, là, ça marche. Pas de soucis. Fascinant. Voilà qui me sera utile quand j'aurai un transfert. C'est bon, ça coule pas encore. Ah, les vêtements de travail, ça descend un petit peu. J'évite de trop concentrer tout au même endroit. C'est la merde. William m'a dit que vos contrées abritaient nombre des... Je m'attendais à davantage d'excentricité. Naviguer. Ok, d'accord. On touche des sous, mais... C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose du tout, même 500, c'est... ça vaut rien à ce stade du jeu. Tu vois qu'il y a des bâtiments qui coûtent 12 000. J'ai un projet qui me tient à cœur.
des gens bien aimables, mais leur travail ne... Je ne doute pas de leur talent, mais leur expérience est trop spécifique. Leur projet manque de... L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Hansen est entré en guerre. Des connaissances, du savoir-faire? Eh bien oui, ce consortium a développé le prototype parfait pour devenir l'institut de recherche. Le Tout-Puissant nous a fait le don de mes sujets. 80% d'approvisionnement en viande séchée. Oh là là. Ça demande d'avoir 300 vergers. Oh là 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 là. Ah, je suis repassé en négatif. Oh, alors ça a dû se casser la gueule dans l'ancien monde à tous les coups, ça. Qu'est-ce qui manque? Ah, il manque rien. Non, c'est juste les bâtiments qui coûtent une lot. Feu d'artifice à poudre noire. Un bonheur plus 7 disparaît après l'utilisation. Et le bonheur, en vrai. Les habitants heureux tiennent des festivals en ville. Bonheur, je pensais que c'était une sorte de facteur sur l'impôt, mais en fait, pas vraiment. Du coup, je comprends pas trop. 195. Il était une fois une ville. Évidemment, il manque quelques... Ah non, c'est bon. Alors, des bœufs sanga. Amélioré par un sol fertile. Celle-là. C'est lui, c'est le marin, parfait. Il n'y a pas si longtemps, les esclaves des princes guerriers trimaient dans les mines de sel. Je gage qu'ils aspirent à leur sort. Oh mon dieu, les champs sont énormes! On trouve de nombreuses variétés de bêtes d'élevage à commencer par le sang. Oh la queue du Manus. Alors, modifier. Derniers carnages sont posés, les soirées sont suspendues. La censure. Sélectionner Kitama pour le. Ta-ta-ta. Ouais, alors la viande séchée normalement c'est good. Normalement on va choper une bonne populace. Oh les bergers ils donnent que dalle. Oh, 4 pièces pour 9 personnes. Une pièce toutes les deux personnes. Il est où mon compte bateau? Divisé pour régner. Préfet, c'est le terreau de la sédition. Alors j'ai accepté une quête que j'aurais pas dû accepter par.
ça, c'est dire d'un or aviser les émissaires d'Angereb à l'équateur, et ceux de Kilusi à Nitoni, et Waha des Chers. Dieu, c'est super compliqué. Oh là là. Sélectionner un des phares pour en savoir plus sur les troisièmes. Waha des Chers. Autrefois, j'ai caressé. Mon Dieu, mais il y a toute une chaîne de quêtes sur. Sur chaque région, c'est un truc de ouf. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je commence à être terriblement perdu. J'espère que cette vidéo, la suite de la découverte sur Anno 1800, vous aura plu. C'était la chaîne de Fire. Allez, ciao, à la prochaine.